En apparence, il est en pleine hibernation hivernale, fermé au public. Mais ça, c'est juste une impression. Car en fait, ça fourmille au grand parc du Puy du Fou qui rouvrira pour les vacances de Pâques. Ce sera le 11 avril prochain. La saison a été présentée ce matin et nous allons en parler avec vous. Nicolas Devilliers, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le président de ce parc, hein, le deuxième de France derrière Euro Disney avec une fréquentation pour 2014. Regardez, 1,9 million de visiteurs l'année dernière. C'est un record. C'est un record, même si pour nous ça n'est pas une course aux chiffres, c'est vrai que c'est une vraie joie de voir que les visiteurs viennent de plus en plus nombreux chaque année. Plus 140 000 l'an dernier Absolument, mais l'objectif du Puy du Fou, c'est vraiment une course à l'émotion. C'est vrai que nous avons la chance d'avoir une, une vraie différence avec ceux qui sont considérés comme des parcs de loisirs en, en France ou en Europe. Le Puy -du -fou a choisi une autre voie et cette voie-là, elle a le succès auprès des Français, alors nous nous en réjouissons naturellement. C'est un succès qui vous permet malgré tout d'investir chaque année ou presque dans des nouveautés pour 2015. Vous changez d'époque, hein, on ne parle plus. Des Vikings, par exemple, cette fois, ou, ou du temps des Romains. Euh, C'est votre première incursion dans le XXe siècle. D'une certaine manière, puisqu'on avait déjà le Bourg 1900 qui est un élément important du, du Grand Parc, mais c'est le premier spectacle sur le XXe siècle avec l'entrée de la Grande Guerre qui est finalement entrée dans l'histoire avec toutes les commémorations nationales et internationales des derniers mois. Et c'est pour ça qu'on s'est dit finalement, depuis plusieurs années, on avait cette idée. Eh bien, c'est l'année où jamais pour le faire. On est en 2015, donc il y a un siècle nous étions en pleine Grande Guerre mmh. et nous allons raconter cette histoire à travers l'histoire de deux amoureux qui vont incarner finalement et, et humaniser cette grande histoire de la Grande Guerre. Les amoureux de Verdun, ça s'appelle. La salle est en construction actuellement, on va en découvrir quelques images, même si c'est très peu avancé. Mais vous nous l'assurez, ce sera prêt le 11 avril. Ce sera en fait une Absolument. déambulation. Un spectacle un peu libre en un quart d'heure à peu près, c'est ça D'une certaine manière, on propose aux visiteurs de quitter la tribune pour entrer sur la scène et finalement de les plonger dans une vraie expérience, une expérience qui n'est ni muséographique, ni une expérience à sensation. On n'a pas voulu non plus tomber dans, dans le sensationnel on est sur un thème qui est dramatique, qui est douloureux. Et donc l'objectif, c'est de mener nos, nos visiteurs à l'émotion à travers un, un spectacle tout en, en, en élégance, en finesse, mais aussi très spectaculaire naturellement, comme on peut l'imaginer au cœur de la tranchée. Et ça s'appellera donc Les Amours.